Bientôt la fin de notre civilisation. Bah oui, c'est pas une blague, c'est même la NASA qui le dit. La cause ? Nous. Selon cette étude, si on continue comme ça, on va disparaître d'ici quelques décennies. Eh oui, j'ai bien dit décennies. Les scientifiques de l'Agence spatiale américaine prennent exemple sur d'anciennes civilisations disparues, comme les empires romains ou mésopotamiens. Le processus d'élévation et d'effondrement d'une civilisation serait donc un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité. Depuis 5000 ans, toutes les civilisations craquent lorsque les hommes surexploitent leurs ressources ou lorsque les inégalités se creusent entre les riches et les pauvres. En fait, les riches de moins en moins nombreux, mais toujours de plus en plus riches, entraînent la disparition des travailleurs qui sont trop pauvres pour se nourrir et donc notre civilisation industrielle disparaît. L'autre scénario envisagé, qui conduit lui aussi à notre perte, c'est la trop grande exploitation des ressources terrestres qui entraîne la disparition des populations pauvres et par conséquent des riches. Et oui, quand les pauvres disparaissent, les riches disparaissent aussi parce qu'ils dépendent des pauvres qui produisent pour vivre. Donc pour survivre, c'est pas si compliqué, il faut mieux répartir les richesses et baisser notre consommation des énergies non renouvelables. Bref, trop d'inégalités, surconsommation, nous serions donc responsables de notre disparition.